Solène, une capitaine heureuse du coup. Ouais, très heureuse. On a acquis le maintien aujourd'hui. Voilà, c'était comme l'a dit le coach, on revient de loin. Pendant cette journée, on était là risés. C'est le discours que j'ai tenu au début du match avec les filles. J'ai dit au début de l'année, on était là risés. Au bout de cette journée, on était dernier. Personne croyait en nous. Tout le monde nous mettait déjà en D2. Et aujourd'hui, ben, le championnat, il n'est même pas terminé qu'on a acquis notre maintien. Et voilà, et c'est la force d'une équipe. On s'est regardé au début d'année, on s'est regardé, on s'est dit les choses. Et au fur et à mesure, on a appliqué les consignes du staff. Et puis aujourd'hui, voilà, on est maintenu et c'est la force de tout un groupe, de tout un club, toute une équipe. Et on a été ensemble du début jusqu'à la fin. Et on restera ensemble du début jusqu'à la fin. Maintenant que le maintien est acquis, est-ce qu'on pense quand même dans le coin de sa tête à cette quatrième place des qualificatifs pour les playoffs? Bah, le premier objectif, voilà, c'était le maintien. On l'a acquis aujourd'hui. Maintenant, lundi, on va se réunir et on verra ce qu'on se fixe. Après, voilà, c'est sûr que on va jouer cette fin de saison pour aller chercher le maximum de points. Donc, pourquoi pas se fixer comme objectif les playoffs. Mais voilà, vu l'année qu'on fait, on se refuse rien. On se refuse pas le droit de rêver. Après, voilà, on sait que ça va être compliqué. Il va falloir continuer de mettre tous les ingrédients qu'on met à chaque match. Et puis on fera les comptes à la fin, à la dernière journée. Et sur le match de cet après-midi, pour revenir à ce match, l'équipe de Bordeaux vous a mis quand même un petit peu en difficulté. Les changements ont fait la différence. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Oui, c'est vrai, on peut dire qu'on a subi la première mi-temps. Après, on a de la chance dans ce groupe, c'est qu'on se dit les choses. On est rentré au vestiaire, voilà. Il n'y a pas eu un mot, on savait tous que... On avait mal commencé ce match, on s'est dit les choses, On a pris en compte ce que le coach demandait aussi. On est rentré avec de meilleures intentions. Et puis après, voilà, c'est la force de cette équipe, c'est qu'on arrive à faire la différence au moment où on ne nous attend pas. C'est là qu'on pique. Et puis après, ben, on savait qu'il restait 20 minutes à tenir et être maintenu. Et puis voilà, il n'y avait même pas de questions à se poser. Il fallait fermer et tous être solidaires. Et c'est ce qu'on a réussi à faire cet après-midi. Donc c'est cool, c'est bien. Maintenant, je suis désolé pour Bordeaux. Malgré ça, mais voilà, aujourd'hui, c'était pour nous, et puis voilà. Ok, merci.